the national and the regional levels. Une conférence de deux jours s'est tenue à Kigali, associant les institutions des ministères chargés de l'extraction minière dans les pays de la région des Grands Lacs CIRGL, dont le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Dans un sommet qui les a réunis à Kampala, ils se sont mis d'accord sur la même ligne directive de l'extraction minière et le rôle de la femme dans ce métier. Mais le ministère en charge dit qu'il y a toujours des barrières sur les violences faites aux femmes, qu'il faut prendre des mesures pour les lutter à tout prix. Dans les années passées, les violences faites aux femmes se voyaient dans l'extraction minière, surtout dans des pays en guerre. Mais maintenant, nous avons essayé de prendre des mesures pour lutter contre ces violences, qui sont généralement les raisons pour lesquelles, dans ces conférences, nous invitons des formateurs en genre pour aider les ministères en extraction minière afin de bien comprendre le rôle de la femme dans ce métier. Nous invitons les filles et femmes à fréquenter les écoles en ce sens, mises en place par le gouvernement rwandais, et soutenir les femmes entrepreneurs dans le business de l'exploitation minière. Ces institutions vont renforcer le dialogue dans la stratégie de lutter contre ces violences, mais aussi de soutenir davantage le rôle joué par les femmes dans ce métier. Parmi 727 permissions qu'a donné le ministère aux sociétés d'extraction minière, 19% sont dirigées par les femmes et 16% des femmes et filles ont été employées dans l'extraction minière au Rwanda parmi 37 000. C'est un pas franchi qui mérite d'être soutenu pour le développement féminin.